Bon, il me dit, oui, tu sais, je veux un oiseau, je veux faire comme toi, me laisser en liberté. Mais regardez, je l'ai enfermé là, bon, pour la sécu de tous. Regardez, toutes les crottes qu'il a fait. Après, la liberté, c'est simple. Il y en a qui me disent, non, c'est pas possible qu'un oiseau chie autant. Si. À la moche. Non, à la poubelle. Donc, faut savoir que c'est un shampoing spécial animaux. Au cas où il y en a qui se posent des questions. J'appelle la gardienne. Ok. Il y en a beaucoup, vous me dites comment je fais avec les oiseaux sauvages. Donc je vais vous montrer. En fait, je les prends tous les jours, 5 minutes par plus, et je les caresse. D'accord. Je les caresse, regardez, même au niveau du bec. Après, c'est pas la première fois que je le fais, c'est peut-être la quatrième ou cinquième fois. Mais voilà, c'est pour leur montrer que je suis pas en danger, que il n'y a pas de soucis. Bon, je mets les gants parce que sa morsure, elle est incroyable. Et voilà, après, je le serre pas trop. Hein. Il y en a qui me disent, oui, mais non, mais son stress. Son... Et le vétérinaire, quand il attrape un animal, vous croyez qu'il l'attrape avec ses mains à main nue, quoi. Ça, c'est juste pour ceux qui vont blablater, qui vont me faire les connaisseurs. Et voilà, c'est comme ça que je fais. Et regardez, vous allez voir qu'après, je peux toucher son bec. Vous voyez? Ça, c'est Dory. Pour ceux qui la connaissent, ceux qui ont retenu son nom, c'est une nouvelle. Elle est sauvage. Du coup, c'est comme ça que je vais lui prendre. Tous les jours, je vais la caresser pour lui montrer que je ne suis pas en danger. Et ensuite, je vais la laisser repartir tranquillement. D'accord? Là, il y a Paco qui l'appelle parce que c'est sa copine. Regardez, je touche même le bec. Hein. Et pourtant, elle mord. Et voilà, petit à petit. Et en faisant ça tous les jours, vous verrez qu'au bout d'un moment, elle n'aura plus peur de vous. Maintenant, je ne vais pas l'embêter pendant une heure. J'ai fait ça, je vais aller la reposer. Et on recommencera demain ou ce soir. À la recherche de matériel pour ma salle. Les story d'hier, elle vient de se mettre, parce qu'hier, j'avais pas de réseau. Donc c'est normal si vous voyez encore la chouette de hier soir. Qu'est-ce donc? Franchement, c'est bon. T'as goûté, Léna? Goûte, c'est bon. Respect à la cuisine centrale. Hein. Vous savez, ils ont commencé à mettre du sel. C'est ça. Coucou, Lombec. Salut tout le monde, salut Saïd, salut Chico, c'est qui ça? Salut les inséparables, salut Ananas, salut Mojito, salut Pepsi, et il est où la fille Mojito, elle est où? La fille à Mojito qui aime trop rester au sol, elle croit qu'on lui donne encore à manger, salut les cochons d'Inde. Les enfants c'est parti, on prend les gamelles. La chouette, en attendant... L'appel de Jérémy. Du synthétique que j'ai acheté parce qu'il manquait du synthé dans ma salle. Une prise électrique pour l'iguane. L'iguane, le merle, la pie, les caméras. Nouvel aspirateur pour la salle parce qu'on en a plus. Mon goûter. Le steak pour la chouette. Ma trottinette. Bon, j'essaie de nourrir. Il n'a pas faim. Je suis là. Par contre, il a des très beaux yeux. Il est incroyable. Dites-vous, là, ça c'est juste l'ongle, la serre de la chouette qui m'est rentrée dans la peau tellement c'est puissant, m'a fait saigner. Alors que c'est qu'un bébé. Hein. Ok, donc en fait là c'est. J'ai compris. Vous savez c'est qui? C'est Pépette et Tropicola Cognac. Je pense que. J'espère. Mais j'espère. Ils m'ont pas fait des œufs quand même. Là, c'est Tropicola Cognac, j'ai l'impression qu'il couve des œufs. Heureusement que je le vois respirer parce qu'il fait peur, on dirait qu'il est mort. Alors que non, on dirait qu'il couve. Eh, mais ils ont trouvé cet endroit pour faire des œufs ou je rêve? Donc en fait, c'est une petite de mon groupe qui cherchait une souris qui était passée par là, qui a enlevé cette plaque et on a trouvé Tropicola Cognac et Pépette. Sort d'où toutes ces mouches? Mais non. Et
Ça, c'est sûr, c'était quand le hamster, je l'ai retrouvé ici, aplati contre le meuble. Là, c'est là où j'ai retrouvé le hamster. Mais regardez, il y en a plein ici, là. Oh non, non, je déteste ça. Des gardiens comme ça ou rien. C'est bizarre parce que les messages des gens qui me suivent, je ne les vois plus. J'ai beau aller en haut à gauche sur la cloche, ça marche plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le même problème ou pas? Go partager avec mes oiseaux. Vous voulez travailler? Ouais. Hein, vous voulez travailler? Au nom de Dieu, je veux travailler. Hein? Hein? Bisous, quoi? Bisous. Hein? Chacun. Tu veux du coca ici? Je suis suite. Mais vous n'avez pas d'honneur, mais jamais, même pour du travail, je fais pas ça. C'est fou ce qu'ils font. Mais ils ont pas, ils ont mis eux. Pour du travail. Oh, j'imagine même pas ce que vous faites pour 1 million. Oh, vous. Aucun principe. Aucun principe. Aucun principe. Les amis, la chouette nous quitte. Il y a Jérém qui est venu. En plus, il a ramené une surprise pour les enfants. Je ne sais pas quel oiseau, mais un bon petit rapace. Alors, on va voilà. Et moi, je dois dans. Il a mesure combien les ailes écartées, Jérém? Je ne l'ai pas mesuré, mais il doit faire 1m70. 1m70. Mais si tu entends, il y en a beaucoup. Ça doit aller jusqu'à 2 mètres. Je suis chaud. Incroyable. C'est un grand duc, tu m'as dit. Incroyable. Ils sont partis les deux ou ils sont encore là-haut? Je sais pas. Ça avait jamais vu ça. Ouais, c'est magnifique. C'est incroyable. T'as peur, Zoé? Quand il déploie ses ailes, il est grand de ouf. Il peut aller jusqu'à 1m70. En vidéo, il paraît petit, mais il est géant. Vas-y. Ouais, t'allais dire quoi? Ben voilà, donc c'est bon. Et ça? Une chouette. C'est ça. C'est un grand duc d'Europe, parce qu'on le trouve en Europe. Est-ce que vous avez déjà vu des spectacles? Non. Oui. Ben là, il y en a un beau, là, à gauche. T'as vu un spectacle de perroquet? Ouais. Moi j'ai vu un spectacle de rapaces. Est-ce qu'elle va me refaire des œufs celle-là? C'était bien. Et ils l'ont pas vu la chouette? Si. Elles l'ont vu? Ouais. Ouais, vous l'avez vu la chouette aujourd'hui? Oui. 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 Moi j'ai trouvé un œuf. C'était quoi? Le col. Comment? Les œufs le fermaient derrière moi. Ben là, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Et il n'y en a pas d'autres qui veulent venir sur moi? Je vais vous montrer la fille de Mojito, comment elle a grandi. Regardez comment elle est belle. Regardez comment elle est belle, ma fille. Et tout, il a plus de... Ouais. Mojito et sa fille qui font la douche. Elle, les inséparables, vous pouvez me laisser. Vous savez comment ils s'appellent, les lapins, les enfants? Comment? Non, ça a changé. Avant, c'était Prosper, maintenant, c'est Saïd. Faut bien dire, hein. Faut bien le prononcer. Saïd. Ah oui, regarde, Saïd.
cheveux.